Hey, salut les morphales, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui au menu, comme je vous l'avais dit, concours. Donc, commençons par le commencement. C'est un concours de Hot Wings, donc aile de poulet épicée. J'ai payé des frais d'inscription qui comprenaient un petit sac avec le catalogue de la boutique qui organisait ce concours, saucepiquante.fr. Je vous mets le lien du site en description, si ça vous tente, si vous aimez tout ce qui est épicé, ça peut être plutôt sympa. Ils ont pas mal de choix. Une sauce chipotle. Donc je crois que c'est pas super fort. Moyennement piquant, t'as remarqué. J'ai aussi eu un super t-shirt. À l'arrière, comme ça. Et le règlement du concours. Donc je vais vous faire part tout de suite. Le Hot Wings Contest est un concours de wings piquantes. Le premier ayant terminé entièrement ses wings sera le grand gagnant. Le déroulé du jeu, je ne vais pas vous lire ce qui a marqué sur la feuille parce qu'en fait, il a été changé. Normalement, on aurait dû être 40, mais finalement, nous n'étions absolument pas 40. Donc, plutôt que de faire ce qui était prévu, on l'a fait en 4 manches. 3 wings pour chaque manche, de la moins forte à la plus forte. J'aurais vraiment voulu vous dire avec quelle sauce était assaisonnée chaque wings pour chaque manche. Je sais juste que la première, c'était la chipotle. Et la dernière, je sais aussi, ça, je vous laisse la surprise pour la fin. Les deux du milieu, je ne sais pas du tout. J'ai vraiment pas fait attention. J'étais concentré sur ce que j'avais à manger, sur la douleur qu'engendrait l'incurgitation de ces petites hot wings, bien sûr, parce que si vous ne le savez pas, je ne supporte pas forcément tout ce qui est épicé, du moins beaucoup moins que certains. Mais bref, donc dans la globalité, un Hot Wings Contest organisé par saucepiquante.fr, je vous rappelle le lien du site dans la description, à l'occasion d'un festival de street food, le Street Bush à Strasbourg, un rassemblement de food truck, comme j'avais déjà fait en Allemagne, je ne sais pas si vous vous souvenez. Si vous vous souvenez pas, je vous mets la petite vidéo et je pense que j'ai tout dit. En tout cas, je l'espère. Alors, avant de commencer, petite parenthèse, la personne qui tient la caméra n'a absolument pas l'habitude de faire ça. C'est entièrement de ma faute si elle ne filme pas correctement parce que j'ai oublié de lui dire comment je voulais qu'elle filme. Donc, vous verrez que, en fait, la caméra est très souvent braquée sur moi et on ne voit pas beaucoup les autres participants. C'est vraiment dommage. En fait, j'aurais voulu qu'on voit tout le monde pour que quand le premier finisse, on voit que c'est lui le premier. Et bref, moi je peux que me baser sur les images que j'ai là, les commentaires qu'il y a autour et ce que le staff dit à la fin de chaque manche en fait. Donc, on va faire avec ce qu'on a et puis allez, c'est parti. Round 1. Ok, première manche, je suis désolé, elle a oublié d'enclencher la caméra à temps, ça va assez vite, je suis plutôt satisfait de mon allure. Il y en a un finisher là. Oh putain, mais... Je vous laisse pas les moments entre les manches. Si encore il y avait quelque chose de rigolo, mais c'est pas une sauce très forte. Round 2. Ok, manche 2, il n'y a pas grand chose à dire non plus. 3, 2, 1, 3. Bonne chance. Vous voyez, ça va plutôt vite par rapport à mes voisins, donc je suis assez satisfait. Pour la suite des images, je vous laisse écouter un peu. Tendez bien l'oreille. Mais deux fois moi. Deux fois je pense. Ah, le gars au bout là-bas. J'étais là-bas là, le mec avec la soupe à carotte au bout. C'est une machine. Enfin, celui à ta gauche est pas mal non plus. Hein. J'ai observé la rapidité. Bon, on va aller se coucher. Ouais, on va dire que ces commentaires me font plutôt plaisir et me confortent dans ce qui va suivre. Round 3. Pour la manche 3, absolument rien à dire. Et manger plus vite.
N'oubliez pas de me suivre sur Facebook et Instagram si ça vous tente. Ah, si ça vous manque un peu. Non mais les chips, enfants. Et là on procède à un changement de voisin. Parce qu'apparemment cette personne et moi nous sommes les plus rapides. Round 4. Manche 4 des wings au Ghost Pepper. Petite fiche en haut à droite de votre écran. Si vous ne vous souvenez pas de mon expérience avec le Ghost Pepper, ça m'a marqué. Donc je pense que je n'ai pas besoin de vous dire que je redoutais un petit peu de la mettre en bouche celle-ci. Il y en a 4. Attends, attends. Il y en a 4. J'ai un peu de surplus de là. Le but de la dernière manche était de les manger le plus vite possible, ça comme d'habitude, c'était là un peu la priorité. Et comme il n'y avait pas d'assiette suivante, il fallait tenir 5 minutes sans succomber au nez. Je vous laisse mes 5 minutes de torture pour ceux que ça intéresse. Et sinon, rendez-vous 5 minutes plus tard. Merci. Allez, 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 allez
encore 2 minutes à tenir, les gars. Ouais. Tu peux boire. Jeff, 10 minutes. Vous avez passé quoi? Allez, plus qu'une minute, tiens bon. C'est là que ça se passe. Allez, laisse-moi la vie. Allez, 20 secondes. Je suis à mort, moi je sens rien. 15, 14, allez. On compte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Oh, tout bien, enfin. Bravo! Félicitations! Et voilà les amis, fin de ce concours que j'appréhendais tant. Dans les 5 dernières minutes, comme vous avez pu le constater, j'ai douillé grave. Entre mes lèvres et ma bouche qui me brûlaient, mes bras qui étaient engourdis, mes mains que je n'arrivais même plus à ouvrir. Pour vous dire, quand j'ai essayé de prendre le gobelet de lait, j'ai juste passé comme ça, entre mon pouce et mes doigts. On aurait dit un Playmobil sérieux. J'avais les mains comme ça. C'était abusé, ça m'était jamais arrivé. Bref, récapitulatif, comme vous avez pu l'entendre à la fin de la deuxième manche, j'aurais remporté les deux premières. Après entretien avec les personnes qui m'entouraient, j'aurais remporté également la troisième. Et d'après l'équipe qui organisait le concours, j'aurais finalement remporté la quatrième aussi. Bon, en fait, d'après les images, on serait plutôt à égalité sur la fin. Mais avec mes trois précédentes victoires, mon départ tardif, et cet arrêt que j'ai fait en pleine épreuve, d'ailleurs, explication, j'ai entendu un mec qui disait « Non, non, non !» Du coup, moi, je me suis dit « Ça y est, j'ai fait un faux départ. » Et en fait, j'ai vu tout le monde qui mangeait, donc j'ai repris. Donc voilà quoi. On va dire qu'en globalité, j'ai effectivement été le plus rapide. Quoi qu'il en soit, c'est fait. La personne qui jugeait le concours a décidé de me donner la victoire. Tant mieux. En plus, elle avait l'air vraiment sûre d'elle. Donc sur le moment, moi, j'avais aucune raison de douter. Mais on va dire que j'aurais préféré que ce soit plus net. Mais bon, bref, j'étais super content de participer à ce concours et de le remporter en prime. D'ailleurs, je vous montre ma petite récompense. Voilà. C'est un panier de différents produits forcément épicés. Pour ma part, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous me lâchez un putain de gros pouce bleu. Le genre de pouce bleu qui cache ma tête comme ça, tu vois. Tu vois ma grosse tête là? Tu la caches avec un gros pouce bleu. Si vous avez des commentaires sur la vidéo ou des suggestions de défis, comme d'habitude,
L'espace commentaire est fait pour ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Et sur ce, nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao! Et hop, 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 petit Marfalou! Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux voir d'autres vidéos, il y a ma tête qui débarque sur ton écran. Juste là, à gauche, regarde. Voilà. Et si tu veux voir ma dernière vidéo, elle apparaîtra sur la droite de ce même écran. Tada! Un vrai tour de passe-passe, t'as eu ça? Bon, par contre, si t'as rien aimé, oublie tout ce que je viens de dire, et te remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sans rancune. Allez, ciao!